Alidor Mouyaya joue au sapeur-pompier. Pour lui, il faut plus de formation afin d'éviter de personnaliser le débat, mais plutôt de parler des élections en République démocratique du Congo. La question de l'entérinement du bureau de la CENI par le Parlement via sa commission paritaire nous interpelle au plus haut point. Nous interpelle dans le sens que aujourd'hui, le problème de notre pays est un problème, une fois de plus, d'hommes. Nous devons arriver à dépasser ce problème-là pour consacrer des institutions fortes et un fonctionnement harmonieux des dites institutions. Vous savez, lors de notre dernière session de formation sur le droit contentieux électoral, plusieurs intervenants sont revenus sur cette problématique-là. On mettrait Jésus-Christ là-dedans, à la CENI, il y aurait toujours des contestations. Donc on est beaucoup plus interpellé, et c'est même ça l'objet de la prochaine session de formation qui va débuter ce mois de novembre, toujours sur la même thématique, le droit contentieux électoral, pour sensibiliser à la culture démocratique et aux valeurs démocratiques. Donc, à notre point de vue, nous attarder sur les hommes nous retarde encore. Nous allons nous consacrer à travailler sur des valeurs, sur la démocratie et même sur la culture qui doit dépasser la question des individus.